Salut à tous les amis, ici Fantaccélérateur, plus connu sous le nom de Fanta, et aujourd'hui on appuie sur la pédale d'accélération. Vous allez découvrir tout de suite le jeu que je vais vous présenter. Bien sûr, vous avez lu le titre parce que vous êtes intelligent et merveilleux, et il s'agit de Trackmania Turbo. Alors on va profiter un petit peu de cette ambiance complètement psychédélique. Alors ça c'est quand même assez cool. Enfin surprenant quoi. T'imagines le démarrage de ta bagnole, tu as directement une accélération de la gravité, 9,8 mètres secondes pour partir directement et encaisser le premier jet de ta bagnole avant de faire des courses complètement malades. Voilà, c'est le principe de Trackmania. Il y a énormément de tracks et normalement, je suis pas sûr, mais comme tous les Trackmania, tu peux créer tes propres circuits. Je sais qu'il y a déjà 200 circuits et tu les débloques à différents niveaux. Tu peux les refaire très rapidement, il y a des temps de chargement très très courts, ce qui te permet en fait d'améliorer ton score sans charger à l'infini. Il y a du multijoueur, tu peux te confronter à d'autres et tout. Et c'est sympa cet aperçu, je l'avais zappé quand j'ai testé le jeu, j'ai déjà fait une vingtaine de courses. Et ça, je crois que c'est les circuits magnétiques en fait. Oh. Sympa, ça met dans l'ambiance hein. Très bien, donc j'envoie le machin, j'ai sorti la manette parce que c'est plus agréable. Et puis, alors comment ça se passe? Il y a 4 mondes différents déclinés sous plein de formes de circuits différents aussi, plus ou moins longs, avec un ou plusieurs tours, ça dépend. Et il faut faire le meilleur score. Plus vous faites des bons scores, plus vous cumulez et plus vous pouvez débloquer d'autres bagnoles. Enfin, pas d'autres bagnoles, mais d'autres courses en fait. Il y a possibilité de modifier un petit peu ses caisses, les améliorer au niveau de la peinture, etc. Moi, personnellement, j'ai déjà fait. J'ai déjà la caisse qui me convient, donc on va rester dessus. Voilà, donc on peut modifier le drapeau, on peut modifier le numéro, on peut modifier si c'est du chrome ou de l'aluminium. Et au fur et à mesure on peut débloquer des choses. Voilà, donc là c'est la bonne caisse en ce qui me concerne et on va partir directement sur du campagne. Vu que j'ai un petit peu dosé le jeu déjà, on va faire quelques-unes que je connais pour découvrir avec vous la première bagnole. Je vais zapper la deuxième, ce qui est plutôt orienté dirt. Alors en fait la première c'est vraiment drift en fait, mais c'est en plus c'est exactement le nom. On va en prendre une cool, celle-là elle est cool. En fait c'est du drift, la bagnole elle a une super activité, t'as l'impression de jouer à Ridge Racer. Vraiment la première bagnole c'est Ridge Racer 4 ou 5, je me rappelle plus, sur PS. Mais le drift est très agréable. Et donc en fait je vais essayer de faire le meilleur score. Bon, j'ai déjà fait un très bon score. Il y aura du nitro sur ce jeu. Il y aura de la nitro, mais c'est pas toi qui la déclenche. C'est des flèches sur lesquelles tu vas rouler. Wow. Et en plus il y a un très bon son. Ça c'est plutôt appréciable. Et là j'imagine que ça va partir. La trajectoire est la bonne. C'est bon. Putain c'est fou. Et là par exemple le drift il est enclenché. J'ai pas besoin de freiner puisque je suis sur de la terre. C'est l'astuce. Oh putain. Oh, réessayer. Ben, en fait j'ai déjà la médaille d'or en fait. Ça va être très dur d'améliorer le score. Voilà, en un coup de bouton, tu peux recommencer quand tu te plantes. Ou alors tu peux recommencer au dernier checkpoint pour faire vraiment ton meilleur score. Si je veux gagner là sur ce coup-là, il va pas falloir freiner et vraiment optimiser mes drifts. Ouh là là! Ah putain, enfoiré. On recommence. Bon, battre une médaille d'or, c'est quand même... Vu que j'ai déjà, ça va être chaud. Mais il y a moyen, a priori, le début de la course n'était pas optimisé. Donc là je drift un peu. Ok, là c'est parfait. Je pense que j'ai amélioré le score. Faut bien rebondir. Je drift correctement, surtout pas de conneries. Je me plante pas. Non! Ah putain! Même si je reprends en fait, j'ai plus l'accélération donc c'est pas intéressant. Il faut que je reprenne depuis le début. Bon, je vous rassure, je vais pas faire qu'une course. Hein. Mais celle-là, elle est cool. Et vous voyez le principe du jeu qui consiste en fait à améliorer son score. Et là, c'est pas bon. Ça, c'est... Hop. Et là, j'ai deux fantômes. J'ai la médaille d'or et j'ai mon meilleur score. Mon meilleur score qui est déjà meilleur que la médaille d'or. Putain, sans freiner, quoi. T'as vu ça?
Vise dans le trou. Ah putain. Après, on va essayer les pistes magnétiques. Bon, après... après, t'es pas obligé de d'avoir une médaille d'or. Hein. Tu peux faire centaines de courses en te contentant de médailles de bronze. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, c'est soit tu es perfectionniste à la Fanta, soit t'es un petit rigolo qui ne mérite aucun respect. Voilà, j'ai bien visé dans le trou, j'aime ça. Petit coup de drift qui est bon. Plutôt pas mal, on va essayer de pas faire... Ah putain, la bosse ! La bosse ! Alors, contrairement à un GTA, tu n'as pas de contrôle sur ta voiture quand tu es en train de voler. C'est-à-dire que tu peux pas lui faire faire des pirouettes simplement parce que tu appuies sur le bouton de ta manette. Donc il faut... puisqu'en fait, voilà, c'est la simple inertie de la bagnole. C'est la gravité qui fait le boulot, c'est pas toi qui contrôle ta bagnole pendant qu'elle vole. Ce qui est relativement cohérent. Sinon, que je viens de me faire griller par la médaille d'or, par mon propre record. Et c'est la merde. Bon, on va la finir en médaille normale. Allez, ne renonce pas! Pas de freinage, c'est trop tôt. Alors, il faut savoir que les 4 bagnoles ont un réactif différent. Celle-là, c'est la voiture clairement du drift. Là ou d'autres, ça va être le rallye ou alors un collé à la route de malade. Je freine un peu, pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me prendre la bosse. La médaille d'or qui me l'a même minable. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah si, j'étais bien record. Argent. Ok. Ok, revenir au choix de piste. Vous avez compris, il y a énormément de choix. Celle-là, elle est géniale. Celle-là, elle est courte et elle est géniale. Et elle montre totalement la précision qu'il faut dans ce jeu. Je l'ai recommencé, allez, une bonne dizaine de fois. On va viser la médaille d'or. Je l'ai recommencé une bonne dizaine de fois. Il faut pas être trop rapide. À un moment, tu vas devoir sauter dans un trou, quoi, tout simplement. Tu peux niquer le score. Voilà. Et là, tu vas... On va lâcher. Trop court, trop court. Non, pas trop court, pas trop court. Parfait, parfait. Je nique tout le monde. Voilà. Perfection parfaite. Nouveau record. Ok, voyons voir un petit peu le roller coaster Lagoon, parce qu'a priori c'est la grosse nouveauté, c'est ces pistes magnétiques là, en plus du nitro. Donc on va voir ce que ça donne, et là forcément je les connais pas. Je les connais pas du tout. Et on y va, j'appuie, machin. Et la bagnole elle est cool. Elle colle vachement à la route. Oh putain. Et c'est eux qui te changent de vue là. J'ai pas capté, bon c'est pas grave, on va déjà essayer de la finir. Ah, même mon meilleur record est meilleur que ça. Ah putain. Oh merde. Ah non, je la recommence. On peut faire mieux, on peut faire 100 fois mieux. Alors toutes les 5 courses, t'as une course avec un nombre de tours, genre 3 tours. Et là c'est vraiment dur, parce qu'il faut que t'aies la perfection sur ces 3 tours. Ok, la médaille d'or, on lui colle au train. On va essayer de drift en l'air, ce qui est complètement dingue. Ah putain, j'aurais pas dû. J'ai pas dû. On drift pas en l'air. La route, je tiens trop la route pour drifter en l'air. Okay, nickel. On peut choisir sa playlist, hein. Il y a une bonne liste de sons plutôt orientés électro. Allez. Ah putain, faut pas cogner, bah. Fanta, j'allais dire. Oh, oh putain, elle est violente, la fin est super violente. Allez, on va faire la piste suivante, on a déjà une médaille d'argent. On va voir ce que ça donne. Tryhard 2, Tryharder, tu vois, c'est complètement dans l'esprit. Je pensais clairement que cette voiture serait moins dure que la précédente, en fait... c'est le circuit qui est le plus chaud, quoi. Bon petit son. J'ai volontairement ralenti parce que je vais essayer d'assurer quand même une médaille d'argent. À défaut d'avoir une médaille d'or. Au moins j'ai mon adversaire devant moi. Qui lui ne se plantera jamais, bien sûr. Hein.
Il n'y a pas de pitié dans, dans Trackmania. Il n'y a pas de drift non plus dans cette course. Il faut juste bien rebondir. Allez, vas-y, Panta, encore un tour. Le dernier. C'est honorable. Si c'est juste la distance du début qui garde le mec, c'est que, en fait, j'aurais pu la faire, quoi. Ah, trop fort! Non! Attends, je reprends. Peut-être avec un peu de chance, je garde la médaille d'argent. Juste en repartant au checkpoint. C'est possible. Je me contenterai d'une bronze. Hein. Ouais, bronze. Fait chier. On la refait. On la refait. On est fou. Alors bien sûr, l'argent, je vais la gratter. Hein. Je vais la gratter, je peux carrément le faire. Allez. Peut-être même que je peux faire l'or. J'ai compris la course. Hop. Ok, vas-y, vas-y, Panta, tu peux le faire. Ça sent la médaille d'or si tu fais pas le con. Bien sûr, la moindre erreur sur 3 tours est punie. Sera punie de mort. J'ai dû ralentir là. Parce que j'étais en train de partir en live. Allez, deuxième tour. C'est plutôt rassurant de voir le troisième. Donc voilà, c'est un jeu d'expérience. Hein. Et surtout... Oh putain. Ce rattrapage. Je lâche pas l'accélérateur depuis tout à l'heure. Si, là, un peu. Oh putain, c'est chier. J'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent, il est devant moi. Fuck! On recommence. Ouais, j'aime bien ce son là. On peut le faire. 3 tours c'est chaud, mais on peut le faire. Voilà, quand t'es bien placé, c'est bon. Puisque. Oh là 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 là! Mal tourné. Rien à foutre, je m'en fous. On continue jusqu'au bout. Merci à vous d'être là, d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Hop, allez, vas-y Quentin, tu peux le faire. Tu peux le faire Quentin. Quentin. Ok, c'est bon ça. Oula. Celle-là, j'ai pas trop de mal encore. Il y a pire. Hein. Il y a pire. Voilà. Par exemple, celle-là. Celle-là est bien pire. Si t'es pas bien droit au centre, t'es mort. Ok, on va arriver sur le deuxième tour. Putain, heureusement que j'ai effleuré et pas touché. Ce jeu est sans pitié. Sans pitié, je vous dis. Mon cerveau s'est complètement fondu sur ma manette. Je suis ma voiture. Allez, fais-moi une médaille d'or. Putain, non! Médaille d'or, putain! Médaille d'or, putain! Médaille d'or, putain! Wouhou! J'ai réveillé mon chat, j'ai réveillé mon chien. J'espère que je vous ai réveillé. J'espère que ça vous a plu. Ah, super. Piste suivante, médaille d'or. Vous voyez, suffit de tryhard en fait. Suffit de tryhard un petit peu et puis après ça passe tout seul. Et on espère voir un bon petit truc ici pour terminer. J'ai pas envie de... J'aurais pu rester sur une victoire. Hein. Mais là, celle-là, elle m'a l'air bien what the fuck.
Elle m'a l'air bien what the fuck, ce qui donne envie, ça. Ça donne envie de continuer, ça. Allez. Oh ok. Le gars, il dit lockout, t'es déjà en train de mourir. Fais attention. Ouais, d'accord, merci, mec. Ah putain, en fait faut quand même freiner un peu parce que les barrières sont pas là. Et là sans le faire exprès j'ai dû annuler argent. J'ai annulé le turbo. J'ai complètement annulé le turbo. Allez on en fait une. Une autre. Sinon je vais vous en montrer une autre que j'adore. Hop. Ah c'est bien ça. On arrive dans Far Cry. What the fuck? C'est bon ça. Ok, on y va. Vas-y, tu passes par-dessus, tu passes là. Ça tient extrêmement bien la route en fait. En fait non, ça ne tient absolument pas la route. Ça glisse sur le bois. Étonnant, je m'y attendais pas. Ça glisse complètement sur le bois. Ok, c'est quoi qu'il me fait là? Bien! Ah, médaille d'argent, pas mal. Alors je vais me barrer, je vais terminer avec une course que j'aime bien, même si peut-être que la prochaine est super. Choix de piste, Ah, elle est quand même cool celle-là. Carrément cool. C'est bien de terminer là-dessus. On va terminer là-dessus. Bon, je monte l'argent, c'est vrai que j'aurais pu montrer. Alors c'est pas grave. Ok, vas-y, magnétique. Oh putain, le Space Mountain! Allez, c'est bon ça. Putain, c'est trop fort. What? J'ai rien compris. Ça a éteint mon moteur. Et en plus, je m'attendais à la fin, en fait. Allez. Ça, c'est dingue. Ok, l'argent qui m'est minable, c'est pas cool. Heureusement, il fait des erreurs. Oh putain, c'était la fin! En fait, ça glisse, il faut juste tomber droit. Allez! Ouais, je me laisse un peu tirer là quand même. Allez, putain, ça peut glisser. Non. Oui. Et d'argent. Excellent. Bon, écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos sur Phantom of Games. Petite vidéo sympa sur Trackmania, si vous en voulez d'autres, vous me demandez. Sinon, vous pensez quand même à mettre un like, à vous abonner. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne The Phantom of 4 et aussi sur Phantom of Games. C'était Fanta. Allez, bise. Ah putain, on en a bien débloqué déjà. Bise.